Yo les gars, j'espère que vous allez bien, perso ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le concept il est vraiment super simple. J'ai payé un joueur pro pour qu'il m'entraîne sur Fortnite pendant 24 heures. Ce joueur pro c'est Alpha, il est joueur chez Trainer depuis plusieurs années maintenant. Il a fait énormément de performances, notamment avec son trio qui est composé de Blaster et Nikov. On va commencer par faire un petit peu d'un 1v1 pour qu'il voit un petit peu mon niveau. Ensuite il va m'apprendre quelques techniques en créatif qui pourront également vous servir. Et on terminera par une game d'arène. J'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude on s'est laissé un petit pouce bleu pour un deuxième épisode. N'hésitez pas à me proposer des pros invités en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Il y a 40% des gens seulement qui sont abonnés. Et bien évidemment, les envoyer un maximum de force à Alpha, il y aura ses réseaux en description. Bref, j'arrête de vous déranger et je vais se profiter de la vidéo. Bon visionnage! Tu vas me détruire, par contre. Au calme, au calme. Tu BF souvent, toi? Tous les jours, ouais, pour me chauffer. Ok. Je pensais que c'était plus la mode et que c'était plus le réel et tout. Ah, je fais les deux, on va dire. Oh. Ok, bah c'est la merde. Oh la connexion. Après je te cache pas que j'ai pas trop hold hein. Ah ok d'accord. Tu peux pas te heal? Bah maintenant oui. Ah, heal toi là non? Ouais. Ça fait combien de temps que t'es chez Trainard là? Un an et demi. Ah ouais. Tu me mets tellement de pression, j'ai l'impression que je te donne de l'argent. Oups là. C'est quoi ton point fort? C'est plus lame, les mechas, vision de jeu? On va dire, je pense c'est... Je pense pas que c'est la vision de jeu, mon point fort. On va dire, enfin, je suis complet partout, on va dire un peu. Ouais, bah, t'es un bon joueur, quoi. Ouais, c'est ça. Je me vois plus comme un joueur complet en mode. Je suis pas idiot, hein. J'ai de l'XP scrim, on va dire. Et après, bah, en fight et tout, je suis pas mauvais non plus. Mais je suis pas non plus le God Fighter non plus, tu vois. Pourtant, t'as pas mal de perf aussi en solo. En solo, ouais. Mais après c'est pas parce que t'es bon en fight que t'es forcément bon en solo. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais, je vois. Puisqu'en mode. Bah, si t'es idiot, que tu sais juste fight, tu vas faire des rotas de merde, tu vois. Ouais, clairement. C'est quoi ton mode préféré, toi? C'est le solo? Le trio? Non, pas du tout. La duo, trio, duo, trio, duo, ouais, les deux. Mais les deux ça se ressemble beaucoup, la trio et la duo en fait. La squad t'avais pas kiffé? Pas tellement en fait, puisqu'en fait, bah en tout cas ça se jouait vraiment beaucoup sur l'intelligence de jeu, tu vois. Bah y a pas vraiment de fight, le fight c'était. Enfin, je sais pas, c'était spécial, 4 c'est vraiment spécial pour le coup, je trouve. Ouais, c'est long et tout. Ouais. Et y a pas de possibilité de voir des clutches et trucs dans le genre, tu vois. Ouais, ça c'est ce que j'allais dire, d'un point de vue du viewer, je trouve ça moins bien parce que bah t'as moins de clutch quoi. En 1v4, c'est presque impossible en vrai. Oula, j'ai pris une sale balle là. Ouais, t'as fait un gros 85. Oh, j'ai pris une patate. Ouf. Là. Ouais. Non, je savais que tu savais le faire et je me suis dit ça passe, tu vois. Oh, j'ai paniqué. Un truc que je trouve fou avec toi aussi, c'est que t'es toujours stable dans tes mates, tu vois. Genre par exemple, t'es toujours connu avec Blaster, tu vois, ton trio là, ça fait un petit moment que tu l'as. Pour toi, c'est ouais. Important ça, cette stabilité, de pas changer trop de mates, de pas split pour rien, etc. Ouais, en gros, moi, je vais dire, j'ai toujours été comme ça et tout, tu vois. Moi, je sais que par exemple, que Blaster, ça fait pas longtemps que tu es avec lui, tu vois. Enfin, ça fait depuis la World Cup, quoi. À chaque fois qu'on fait des erreurs, tu vois, on se parle et on n'est pas là à se trash et à s'en vouloir, tu vois. Bah, par exemple, je vais pas dire, ouais, là t'as fait une erreur, t'es vraiment trop chiant, arrête ça, tu me casses les couilles, tu vois, un truc dans le genre, tu vois. Ouais, je vois. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis encore avec le même duo et qu'en trio, on va rester ensemble pendant longtemps, je pense encore. Ouais, c'est un bon état d'esprit. Et justement, le choix d'intégrer Nikov à votre trio, c'est. Vous cherchez quoi comme genre de profil? En fait, on avait le choix entre deux profils avec Blaster. On avait dit soit on voulait un God Fighter, il y a juste à suivre et quand on se fight, enfin, et être un God Fighter simplement en fait. Soit un mec avec une XP de fou qui peut nous canaliser un peu avec Blaster aussi. Puisque je sais, avec Blaster, des fois on a bien grid un peu, tu vois, et Nikov c'est un. Wouah! T'as mis une sale balle! C'est un peu notre. Pas notre sensei, mais le mec qui nous canalise, on va dire. Ah, je vois. Mais Nikov, vraiment, je trouve qu'il a un profil un peu comme le vôtre, un profil un peu complet, tu vois. Ouais. Oh merde, je suis mort. Ah. Oh, je t'ai retake. Ouais. Et t'en penses quoi, toi, du fait que Epic stabilise un peu les compétitions en mettant de la trio toute l'année? T'aimes bien le changement ou t'aimes bien comme ça? Non, moi j'aime bien comme ça, puisque en mode, t'es pour les structures et tout. En mode, ça, moi je trouve que ça professionnalise beaucoup le jeu. Comment dire? Puisque les structures en mode peuvent recruter des trios entièrement carrément. Je pense que c'est ça qu'il va avoir plus tard. Ah, des trios full Trainard, full Vitality, ça? C'est ça, ouais. En mode, là quand tu vois quelqu'un dans le leaderboard, tu vois, tu dis pas c'est les Trainards, c'est les Vitality et tout, tu vois. Non, là tu dis c'est par exemple c'est Nikov Alpha Blaster, tu vois. Ils ont pas l'étiquette de l'équipe, tu vois.
Ouais. Genre, je vais te donner un exemple, par exemple, à la Dwa Cup, on avait une squad full de traînards, tu vois. Et en mode, bah, par exemple, Dogby, du coup, là, bah, il disait par exemple, ouais, la squad de traînards et tout, tu vois. Ouais, c'est beaucoup mieux, je trouve. Genre, en mode, ça met plus en avant les structures, en fait, simplement, en fait. Je trouve sur Fortnite, les structures sont pas du tout mises en avant. Voilà, t'as mis en place un plan pour me niquer. Oh, oh la D. Oh là, je sais que je suis mort. Oh non, je suis mort. Oh non. Oh, oh c'est vol. Ah, oh, je t'ai les volé. Mais toi d'ailleurs, la World Cup, t'avais un rôle assez spécial, non? T'étais pas comme réserve, un truc comme ça? Bah en fait, oula, avec Blaster, on était le duo le plus constant d'Europe à pas être qualifié en fait. Ouais. En mode, on a... Oh, oula. Il fallait faire top 4 pour se qualifier. On a été 3 fois dans le top 10 avec Blaster pendant les qualifs pour le cup. Ah oui. Enfin, on est passé à 1 kill de la qualif plusieurs fois. Et du coup, bah ils ont invité le duo le plus... Enfin, Nounou du coup, en tant que remplaçant, le duo le plus constant d'Europe à pas être qualifié. Ok, et c'était pour jouer si jamais il y a un problème ou juste comme ça pour regarder? En gros, si un joueur pouvait pas jouer, enfin, pouvait pas jouer clairement en fait. Bah nous, on était là et on pouvait jouer. Ok, ok. T'avais de l'espoir de pouvoir jouer justement? Ouais, j'avais l'espoir jusqu'au bout, mais malheureusement, ça a pas été le cas. C'est pas grave, la prochaine, tu te qualifies. Exactement. Oh, elle est belle, elle est belle, bien sûr. Oh, je t'ai mis une grosse balle, mais... En fait, je commence à bien aimer le levier, là. Hop là. Ouf. Oh, j'ai voulu tirer, mais il m'a mis deux balles instant. Je t'ai mis une tête. J'ai un peu le temps de tirer. Oh non, là, je savais que j'étais cul. Et bah, let's go, hein, dernière manche. Une balle de match. Tu t'entraînes comment toi d'ailleurs? Fais un peu de créa, pas beaucoup, plus d'arène, de scrim, je sais pas, tu fais quoi? En période de compète, on fait minimum à dire 3 heures de scrim par jour. Et après, beaucoup de créa. Beaucoup de créa et de l'arène solo. Ok, l'arène solo c'est mieux? L'arène trio ça rien? Ouais, ça rien, je pense. L'arène trio, enfin, c'est pas. Enfin, pour la compète, je vois pas l'utiliser. À dire, en fait, en stream, t'améliores ton gameplay, enfin, avec ton trio, tu vois. Ouais. Après, en dehors, faut améliorer ton niveau individuel. T'as déjà été lassé du jeu? Oui, plusieurs fois. Là où je me suis plus lassé, c'est la saison où il y avait le lance-grenade répulsive. Ah ouais, c'était récent ça. Ouais, cette saison elle m'a... Je sais pas, c'était... Pour moi c'est la pire saison de Fortnite. Oh, bien joué. Ouais, j'ai. Bon, nice hein, du coup. Du coup, pour la deuxième partie de la vidéo, Alpha va nous présenter quelques techniques au créatif qu'on peut utiliser pendant des fights. Bien sûr, c'est des techniques plus avancées que ce que je vous montre habituellement. Faut quand même un minimum maîtriser le jeu, les bases, les edits, le build, etc. Mais bon, ça peut toujours être intéressant pour vous, donc regardez bien. La première chose qu'il va expliquer, c'est comment mettre une pyramide dans la box de l'ennemi alors que son mur est fermé. Là, en gros, tu peux être à droite, tu peux le faire à droite ou à gauche. Tu prends la pyramide en main, tu peux faire ça pour te cover ou un truc dans le genre, tu vois. Et tu vises en dessous du mur et ça cale une pyramide directement à l'intérieur. Ah ouais, c'est fort ça. Ouais, et c'est en fait le but de mettre une pyramide dans son box, tu vois. Le mec il va paniquer, tu vois. Il va vouloir aller faire un autre box, tu vois, un truc dans le genre. Et ce qui est bien quand tu mets la pyramide, tu vois, bah le mec, tu peux soit le pre-shot là, tu vois, et anticiper là où va aller le mec, tu vois. Ouais. Et c'est bien pour ça, comme ça, si t'anticipes où va le mec, bah après, bah tu quoi, simplement. Tu peux faire la même chose, tu vises en bas, la pyramide elle passe. Ah, ça n'a pas l'air si compliqué que ça en vrai, faut juste trouver le bon endroit. C'est ça, tu vas en gratuit, ça prend 2 secondes à trouver l'endroit. Aussi, il y a une façon, c'est pour mettre une pyramide à travers directement face au mec. Ouais. Là en fait c'est ça, je vais juste expliquer comment j'ai fait. En gros, tu vises devant, ouais. Prends la pyramide, tu spam clic gauche quoi. Tu spam accroupi désaccroupi et tu balances et tu mets un coup de souris un peu. Ok, gauche droite genre le coup de souris. Ouais c'est ça. Ok ouais, ça je vois Martez, il le one shot à chaque fois, c'est trop fort. Ouais ouais, c'est vraiment trop fort. Après si t'arrives à le caler trop vite, le mec va bégayer. Après faut faire gaffe puisque là souvent c'est pas ton mur, tu vois. Cool, le mec peut edit à tout moment, tu vois, faut vraiment être rapide. Si t'es pas rapide, ça sert à rien de le faire. Le mec il va edit, il va tuer. Ouais clairement. Tu t'inspires des fois de joueurs comme Martez etc pour des techniques de fight off? Ouais ouais, bah j'en ai une, je vais te montrer hein. Je l'ai jamais fait encore. En gros la technique c'était comme ça. Le but par contre faut avoir un pad bleu. Faut avoir des pads bleus pour la technique. Ok. Je te la fais très lentement la technique en gros là. Le but c'est de mettre l'escalier en jaune, de faire une fenêtre devant. Tu te mets accroupi et tu mets un pad bleu. Ah ouais, tu rentres dans la box, ouais j'ai vu un clip de Martos pareil. Oh c'est trop fort ça. Ça doit être dur à setup non? Jamais essayé à setup je t'avoue. Mais il faut être rapide hein pour le coup.
Elle est pas trop simple à faire, je pense, je sais pas. En gros, c'est quand un mec veut venir te piocher ton mur et qu'il est là, tu vois. Ouais. Souvent, dès que le mec va aider devant, tu vois, devant là, il va essayer de se protéger, tu vois, avec un sol ou une pyramide. Ouais. Et là, le but, c'est toi, quand t'es en dessous, c'est tu fais ça, ouais. Et le mec, même s'il met une pyramide, en fait, il y a l'escalier qui empêche de le mettre la pyramide en fait. Et comme il y a ça d'édite, le sol d'édite, il peut rien faire et tu lui mets une balle facile. Trop stylé ça vraiment. Ça là, elle est archi forte, mais tu peux le faire que dans certaines situations, tu vois. Mais genre, moi je sais, souvent je me peux avoir pour cette technique. Bon, ça y est, du coup, Alpha a terminé de m'apprendre quelques techniques. Honnêtement, elles sont super intéressantes. Maintenant, on va essayer de les appliquer pourquoi pas en arène. On va faire une game ensemble en duo. Honnêtement, regardez-la parce que je pense qu'elle va être folle. Et je pense que c'est un petit liège. Comme tu veux. C'est chez moi là-bas. Il y a écrit was house. Ah ouais. C'est sur moi. Je t'en souviens. Viens sur toi là. Oh, il a pris le laser de sa vie. L'autre est-ce qu'il gère les buissons. Oh, 180. Lui aussi il a pris le laser de sa vie. Ouais. Ça va encore arriver, hein. Il y avait du monde derrière. Ils allaient vers la maison jaune. Il avait tombé. Son box à terre. Il met 29 shields. 40 en skin foot. Il est dans le toit l'autre. Ah, crack en bas en skin foot. Ça monte derrière. 26 blancs. Vas-y. Pas de shield, enfin blanc. L'autre il est en dessous aussi. Il est presque crack. Oh, tu mets des dingueries à l'air, je sais pas pourquoi. Crack. Il y a une balle. Mort. Je laisse torque. Il a quel type de skin lui? Type immonde. Fais gaffe, il y a notre team. Hein. Je peux le faire tomber si tu veux. 76, il a pris. Vas-y, je le fais tomber là, tu vas tomber. Allez, avec lui. Moins 80, mort. Elle est belle. Oh putain. Là, tu fais tomber Golus dessus. Il est fou lui. Prends dedans. Un HP mort. Je laisse torque. Cool, pas sortir. BNF. Crack. Mort. Faut prendre le high en vrai. Hein. Allez, je te follow. Il y a plusieurs teams. Hein. Crack, sur moi. En fait, il y a plusieurs teams, fais gaffe. Hein. Les cracks sur moi, il est vraiment blanc. Je suis blanc. Vas-y, prends dedans. Mort. Nice, bien joué. C'est mon pote crack au-dessus. Mort. Ça arrive encore. 22 shield. 23 shield. 30 shield, un mec en dessous. Crack. Mort. Et il est devant moi. Attends 2 secondes, je crois que j'arrive. T'es tout seul pour l'instant. Et il m'a crack. Ah, il full charge là. Ouais, il est chiant. Mort. Mais c'est bon. Non, ils sont allés dans le souterrain. Oh non. Là, faut y aller minutieusement. Attends, je laisse pas ma fond. Ils vont partir par où là? Ils sont partis dans le passage secret. Je vais pouvoir aller les choper normalement. Il m'a mis une balle. Fais gaffe. L'autre est sorti par au-dessus. Crack. Il est mort, il est crack mort. Crack sur moi, crack sur moi. 26 blancs, il est vraiment là sur moi. Ah, je back pour ma heal, putain. Je le line. Oh. Nice. What, attends. Attends, viens. Oh, il a une connexion de feu. Oh, reviens. On va se mettre dans un truc où on peut pas y tranquillement. Tu peux si tu peux. Bon, 110, 115, 140. Oh putain, un bloqué sur moi. Chaque fois. Il est box. Mort. Bien joué. Mort. Oh, elle est belle. Je suis prêt. Évidemment, combien? C'est 35. Les deux sont montés. Ok, 63. 23 shield l'autre. Une balle. Mort. Nice, bien joué. J'ai sort pour avoir son pote. Fais gaffe, essaye de. Ouais. Ouf. Bien joué, hein. Ok, je vais faire une autre box parce que j'ai pas envie de te gêner. Attends, je vais le forcer à tirer sa balle roquette, hein. Vas-y, go le choper. Oh non, il va suicider roquette. Oh, c'est bon. Tu veux que je te roquetterai ensemble en zone. Vas-y. 3, 2, 1, saute. Ah ouais. Oh, regarde dessus, il spike tous là. Oh, tu crois que c'est le mec du contrat? Oui, c'est le mec du contrat. Il est crack, hein. Oh, il est 50 blancs, si tu veux le push. Je t'avoue, moi j'ai d'autres mecs sur moi. Oh, j'ai fait la strat que tu m'as pris. Laquelle? Pour mettre l'escalade dans sa box. Ah ouais, il a pas dit kiffer. Si tu veux, je te roquette dessus, sur eux. T'es prêt, vas-y, viens en dessous. Vas-y, saute. Merde, y'a un mur. Ah, ça aurait été si je rentre dans la box. Je le fous le roquette, je balance tout. Ouais, vas-y. Tu l'as tué non? Non. Mort. Il va mourir de la zone. Bon bah nice, une petite 26 kills. Bon bah du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez laisser un petit pouce bleu, vous abonner si jamais vous êtes nouveau. Et surtout le plus important c'est d'aller suivre Alpha, les gars, ses réseaux seront en description. C'est vraiment une très bonne personne, c'est un pro qui perf depuis pas mal de temps. Et je pense qu'il mérite encore plus de soutien que ce qu'il a maintenant. Il est principalement actif sur Twitter, sur Twitch, etc. Donc n'hésitez pas à aller le follow là-bas. Malheureusement il n'y a pas de YouTube pour lui. Bref, si jamais vous voulez un deuxième épisode, dites-le moi en commentaire. Moi je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Ciao.